On essaye, on est en pleine expérimentation chez voyagesnsf.com. On essaye de mieux reconnaître nos utilisateurs et nos clients. Donc on a une segmentation qui est assez basique, qui est centrée sur un profil client plutôt jeune ou plutôt pro, plutôt famille ou plutôt senior. On essaye effectivement de le reconnaître quand il vient sur voyagesnsf.com, de pouvoir réconcilier les données CRM avec les données des NP et les données comportementales sur le site pour pouvoir leur proposer une expérience plus proche de leurs besoins. Cela nous apporte aussi la capacité d'identifier les différentes structures dans le parcours propre à ces cibles-là et donc d'y répondre le mieux possible. Et puis de rentrer dans une approche aussi chrono-responsive, ce qui veut dire être capable de moduler nos messages, nos notifications, nos sollicitations aussi commerciales tout au long du parcours, du moment où ils viennent acheter, mais aussi après, a posteriori, être capable de leur proposer au bon moment, donc là où le moment s'y présente le mieux, par exemple J-3 ou les jours J également. Quand on sait qu'il est sur le point de partir, lui proposer ou lui rappeler qu'on peut aussi réserver un taxi sur place ou lui proposer des activités sur place. Donc on rentre vraiment dans un niveau de personnalisation. Et Patricia, excuse-moi de couper, est-ce que tu sais aujourd'hui si avoir ce type de service, entre guillemets, ou d'action auprès des utilisateurs a un effet hyper positif ? Alors, nous, on veille sur deux indicateurs. Donc, le premier, c'est effectivement le taux de conversion. Et le deuxième, c'est la note de satisfaction client. Donc, oui, on sait que ça a des effets positifs, notamment sur la note de satisfaction client, qui est pour nous très importante parce que c'est l'objectif principal, c'est quand même rendre heureux nos happy travelers et de faire en sorte que leur expérience soit aussi plus réussie que possible, des moments où ils ont envie de partir jusqu'au moment effectivement ils arrivent sur place, donc le parcours d'achat, mais aussi après. Merci beaucoup Patricia, c'était très intéressant. Merci à vous de m'avoir sollicité, et c'était très intéressant. Merci beaucoup.